un atelier de formation sur les processus de planification de programmes de budgétisation et suivi évaluation se tient depuis ce matin à Libreville. Il est organisé par le ministère de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le Développement. Y prennent part les cadres du dit ministère et les experts internationaux. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué à l'économie, Nina Kélia-Mouniepa, et Pierre Claver est là pour les détails. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre l'enrichissement illicite qui vise l'amélioration de la gouvernance à travers des actions visant une saine gestion des affaires publiques et la consolidation de l'état de droit. Selon le PNUD, qui soutient les initiatives du gouvernement gabonais relatives à l'appropriation des valeurs de bonne gouvernance, d'autres ateliers de formation seront organisés jusqu'en décembre prochain. L'idée de ces ateliers, c'est de renforcer les contrôles intérieurs au sein de l'État gabonais. Éventuellement, c'est l'État qui doit garantir lui-même la mise au travail de ses ressources et qui doit être le garant du bon développement de son peuple. La Direction générale de la statistique est aussi représentée ici car elle a un rôle important à jouer. Notre rôle, c'est de fournir les données à l'État. Notre rôle, c'est de saisir un certain nombre d'informations et de les transformer en indicateurs pour que l'État puisse faire une bonne gouvernance au niveau du pays. Le Gabon se situe dans le cadre du perfectionnement de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir un certain nombre d'indicateurs pour mieux gouverner. Et là, il s'agit de deux choses sur lesquelles le Gabon a pris des responsabilités. Il s'agit de la question de la corruption. Il s'agit de la question de la lutte contre le trafic de capitaux. À l'issue de cette formation, les agents présents devront être capables de vulgariser au sein de leurs administrations respectives la vision qui oriente la mise en œuvre du document de stratégie de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux.